Salut Denis. Il est choupi son chien. Elle. Ah non, c'est pas la zone que je pensais. Enfin, je crois pas. Je pleuvais pas dans ma zone. Donc, terre-terre. D'accord. Donc là, ça nous fera revenir sur un raccourci. Bon, on va avancer lentement, hein, parce que... je connais pas du tout. Coupe pas. T'enchaînes les blagues nulles, là. Okay. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ils sont normaux. On va chercher les petits bibis en plus. Cherchons, cherchons. Et lui ? Regardez, il arrive de l'autre côté. Oh my god. Vous croyez qu'on meurt dans l'eau là ? Non, parce que des fois on meurt dans l'eau. Je n'oserais point. De 7. Oh le rotet. Oh comment je t'ai fait mal. Très bien. Niveau visibilité du coup avec la pluie là c'est pas, hein, pas fameux fameux. Bon, de toute façon, les petits bonhommes, hein, je les rechercherai. Hein. D'ailleurs, j'ai fini de prendre les 9 dans la première zone. Rien de fou, mais ça fait toujours plaisir. Il m'en manquait un, hein, en fait. Qui était caché dans l'herbe. Oh ah bah, au moins, on sait. On a le droit. Putain. Bon, continuons par là. Je suis tombée. Non mais j'ai peur depuis que l'eau m'a tuée. Je ne sais plus. Comment je remonte par contre parce que... voilà, hein. C'est pas que, mais quand même. Là où il y a un truc. Où suis-je, vais-je? Ah, ok, comme ça. Du coup, il va y avoir un boss. Hein? J'ai peur. Un peu. Tout de même. Alors, avancez lentement, vous dites. Ouais, comme ça, quoi. Souhaite. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut y aller, mais... non, c'est pas comme ça. Du tout. Ah mais il y a un pont là. Vous imaginez le héros en vrai qui est là, mais où je passe? Putain. Mais comment je fais? Mais c'est chiant. Fais ton pattern, c'est mieux. Bon, bah, fais pas ton patin. Oh, mais je t'ai mis tellement cher. Mais vous imaginez ou pas? Oh, j'ai eu un cadeau. Habit d'archer de type qualité. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est fini là? Non, mais arrête. Oh, suffit.
C'est par où déjà? Le bras cassé, quoi. Par excellence. L'anti-héros. Bla 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 bla. C'est histoire d'arbres. J'imagine le mec il a kiffé, il était là. Ouais, trop bien, je vais faire des arbres cassés. Et... Non, en vrai c'est une bonne idée, mais ça m'énerve un peu. En vrai, c'est pas con. Mais bon. Voilà quoi. Hein? Ça pour une branche. Nous sommes joie. Faudrait que je peux aller tout là-bas? Non, j'ai un doute. Il me prendrait point ce risque. Ce n'est que trop de risques. Alors, par ici. Remontez. Oh putain. Si je suis perdue toutes les 3 secondes, on est pas rendu. J'ai pas visé au bon endroit. Là, j'ai visé au bon endroit. Tout va bien. Et vous voyez, ces phases-là, je les trouve relativement sereines, en fait. Et j'aime beaucoup. Plus, peut-être, que dans... Mais bon, c'est peut-être mon idée, hein. Que dans un Dark Souls, un Bloodborne. Peut-être moins d'ennemis au mètre carré. Je sais pas. Je saurais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a une certaine sérénité. T'es tout seul dans ton truc. Bon, ça fait que je joue en solo, mais... Mais tout de même, j'aime bien. Oh là oh là! J'ai dit sérénité, calme-toi. Ah, c'est des ninjas? Il est mort? J'ai eu un doute. Le héros, oui, il ressemble un petit peu à Gérald de Rive. Mais bon. Voilà, Gérald de Rive n'a pas marque déposée sur sa coupe, quoi. Sachant que tu peux changer de coupe après, il y a un succès pour ça, donc j'imagine que oui. C'est son frère jumeau. C'est ça. Oui, ça s'appelle pas Bidibi, mais j'aime bien les appeler comme ça. M'en voulez pas. Je trouve que ça leur va bien. Ah, puis j'ai appris à utiliser mon radar. En jouant off. Ce qui était beaucoup plus intelligent. Oui. C'est stressant. Comment il se tient, chat? Aucun chat ne se tient comme ça. Enfin. Minibi égale Kodama, c'est nous. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu pire que moi hier, j'ai vu que Crane jouait sur le jeu. Et il donnait un nom spécial aussi au bonhomme, mais il donnait le même aux ennemis. Il était pire que moi. Il m'a tué. Je sais plus c'était quoi le nom qu'il donnait, mais il y avait les gros et les petits. Les petits c'était les gentils. J'ai peur de rater des endroits là. Bon, en soi, c'est pas grave parce que le but c'est de faire la mission. Mais... Ah oui! Je la remets pas mon chat, c'est trop bien. J'aime!
Oh merde, j'avais oublié que ça m'attirait vers lui. Quelle mauvaise idée! Voilà. Très vite tout à l'heure, j'étais parano. Ouais, bah normal. Hein. Normal, normal. Il y a un truc dans l'eau. Est-ce qu'on va le chercher? J'ai des doutes. Faut juste se faire les ennemis un par un. Éviter d'aggro toute la map, c'est ça qui est important. Le petit là, si je le tue pas direct, c'était dans la démo. Il se transforme en gros. Mais tout va bien, il ne s'est point transformé en gros. Il est resté petit. Et nous sommes joyeux de ce fait. Il y a toujours un truc dans l'eau. Ça va, il meurt pas. Hein? Oh! Où ça? Ah, c'est lui là-bas? Non, mais il y a un mec. Il y a un truc dans l'eau. Hein. Il y a un truc dans l'eau, je pense. Je ne veux pas... Voilà. Et du coup, je suis allée ici? J'ai un doute. Ouais, si. Ok. Le gentil devient méchant. Exactement. Comme quoi c'est simple, Nio, hein, finalement. J'aime bien la tenue légère, en plus. Bon, le pantalon est pas fameux, le bandeau, ouais. C'est pas mal, pas mal. Ça va. Ça va, ça va. Ça, j'ai déjà pris. On va se faire le gros. Il est seul. J'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai tellement fait n'importe quoi, heureusement ça va. Oh, le corne des démons, ça c'est pour faire du craft. Hein. Il me semble, hein, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. J'ai bientôt un maître ninja. En tout cas, j'ai de quoi passer un niveau. Je note que j'ai de quoi passer un niveau. Attends, attends. Waris de trucs jaunes. Là-haut. Comment je vais là-haut? Via un arbre, j'imagine. Une arnaque là. Il y a une arnaque. Ça s'ouvre ces trucs? Non. Ton perso fait 90. Ah, tu joues en armure lourde alors. Et comment ça se passe du coup? Ça va? Ça doit être particulier quand même. De ce fait. Où est l'ennemi? Peut-être un de ces trucs qui rampe à terre. What? Il y a un ennemi mais je le vois pas. Il y a un sous-sol? Je crois qu'il y a un sous-sol. Semblerait qu'il y a un sous-sol et il remonte dans l'autre truc, je suis sûre. Je ne vois que ça. Cherchons les biribibibili au cas où. Au cas où. Je suis en train de faire toute la map là, n'importe comment. Ça se passe bien. Soyons sereins. 6 élixirs, tout va bien. Oh, il a laissé invoquer, vous avez vu? Il a laissé invoquer. Mais en même temps, tu peux le laisser comme ça pour essayer d'avoir du loot. Ça passe nickel à la lâche. Ouais, je pense que c'est lié à un... Mais c'est cool si tu peux jouer en... Parce que... Si tu peux adapter l'armure lourde à un style de jeu. Salut Neocats. Écoute, ça va bien ce matin. Donc c'est nickel.
Oh, ça fait du bien de les allumer, je vous jure. Par rapport au début. Un bien fou. Et ça, c'est le raccourci vers l'entrée. Ok. Donc, si on veut, on peut passer un niveau. Et en même temps, ça me fait chier de tout reset. Hein. Entendons-nous. Pour un niveau, c'est pas la mort. J'en ai passé beaucoup des niveaux. On va plutôt continuer. À monter en puissance. Non, mais c'est toujours ce que je dis de prendre un petit peu le temps off de regarder les choses. Je sais pas, hein, ça se trouve, je me foirerai là juste après. Hein. Les boss, ça restera toujours compliqué quoi qu'il arrive, je pense, dans ce jeu. Enfin, pas compliqué, mais spécial. Il y a une différence ouais, de niveau entre les ennemis du niveau et le boss, mais vraiment une énorme différence, je trouve. Plus que dans d'autres jeux du même type. Enfin, c'est mon ressenti. Attendez, je dois aller dans la maison. Oh oui! La maison dans les arbres. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un ennemi là. Oh, c'est un ninja! Oh, ninja. C'est pas très très gentil. Je voulais faire ça. Mais effectivement, regardez un petit peu tout ça en off au niveau des armures, des armes, des compétences, de comment ça se passe. De se refaire même une mission en off en prenant bien le temps de faire gaffe à comment tu joues. Ça aide bien sûr. Os! Oui! Ah bah non! Quel enfoiré! Quelle déception! Total et infini. On doit se refaire tout chemin. N'empêche que c'est rare un jeu qui au niveau du level design joue sur la verticalité. C'est plutôt cool ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère qu'il va y avoir des choses assez intéressantes après encore à ce niveau-là. Ce serait sympathique. Là, on a un esprit. Il m'a l'air seul. Oh là, il y a du monde là. Il y a du monde. Ok, il y a du lancer de bombe. C'est tout. Ça, c'est lui là-haut. Juste pour me faire user une flèche en plus, tu sais. J'ai du mal avec la forge. J'ai fait un... Bon, je sais pas si ça t'aidera sur... J'ai fait un tuto sur l'association d'âmes. Si ça peut t'aider. Il y a une grosse bête là-bas. Je sais pas c'est quoi, mais... Gros point rouge. La violence est présente. J'ai fait ça cette nuit en fait. Justement quand je m'y suis intéressée tranquillement en off, bah du coup j'allais le faire. Et du coup j'ai fait un tuto dessus. Si jamais ça peut t'aider, n'hésite pas à aller faire un tour. Du coup il doit y avoir une ouverture par là. Je suis en train de... Non. Parce qu'il y avait une porte. Mais peut-être que ça vient de l'autre côté. Ouais. Merci Beauty, merci pour le lien. Ah, mon café va être froid. Je viens de penser. Il y a un truc là-haut, non? Non, j'y suis déjà allée. Ouais. Ok, bon là on a bien fait le tour quand même. Et je pense que là du coup on va le passer ce niveau. Avant d'ouvrir ça. On va ouvrir ça et on va le passer. Allez, on est où? Oh putain. On va passer notre niveau et on va revenir. Ah.
Ça fait peur, hein. Je le sens pas, cette histoire. Il est tellement stylé. Ah, il pique. Genre, vraiment. Putain. Mais il est stylé, hein. Wow. En fait, faut pas être statique, mais j'étais coincée. J'avais la strat et tout. C'est pas la bonne. Oui, le vent. Ouais, super, contre l'électricité, c'est bien. Strat utile. C'est ça qui est bien. Mais... sérieux? Il y avait encore le décor, quoi. Pas mal, là. Pas mal. Nice. Bah comme quoi, l'amulette devant, tellement inutile cette amulette que j'ai mise. Mais sérieux, j'avais trouvé le bon élément en plus. C'était terre. Et je fabrique des amulettes devant quoi. Mais quelle tristesse. Oh là là, j'ai de la peine pour moi-même. Donc vous disiez, ouais regardez, je peux pas casser le décor. Y'a que lui. Merci les gens, merci. Merci. Bah attendez, il y a une suite. C'était que son familier. Salut. Alors attends. J'en regarde à côté. Hop. T'as vu? Je suis forte. Tellement pas. Mon nom est Fuku. Vous avez eu mal à partir. Oh, cette expression, mon gars. Je peux lui dire désolé quoi. Alors attends, c'est où désolé? C'est prosterner, prier, désolé. Désolé. C'est ça, désolé? Ouais. Allez, on le met à la place d'applaudir. Boum. Désolé. C'est bon. Bonjour. Ah mais c'était lui en fait? Désolé. Ah, il accepte. C'est-tu pas chou? Franchement. Si. Il est désolé vite fait, hein. On est d'accord. Ouais. T'as vu? C'est quoi cette tenue, sérieusement? Regardez son chapeau de schtroumpf. Oboe to okeba, kitto anata-sama no oyaku ni tatsu koto de shou.
Bon, ça va se déclencher, j'imagine. À s'incliner, ça marchait aussi. Ils ont dû prévoir le coup pour les gens qui ne comprenaient pas. C'est beau, c'est très très beau ça. C'est très très la beauté. Ne semble pas fonctionner pour le moment. Oui. Ah, oh, du coup, regardez, ça me remet mes talismans. Ah, c'est bueno. T'as vu? C'est désolé, tu l'as bien cherché. Ouais, c'est un peu ça. Semble être fermé par une sorte de pouvoir. Merde alors. Et il y a quelqu'un là-haut, non? Non, parce que je vois bien le symbole violet. Hein? Désolé. Alors. Tout ça est très... sur le truc en face en plus. Ah. Boum. Ça, c'est un ennemi, c'est sûr. Oh, tout ça, c'est des ennemis, c'est sûr. Lui, là, on dirait trop. Ah non. D'accord. Et lui? Au cas où. Ça marche, Viti. Écoute. Par contre, la durée des missions pour les rediff, c'est assez particulier. C'est assez compliqué. Ce bouton, c'est pour... C'est pour me tirer dessus, je pense. En toute logique. Ah, je m'en doutais, mais je m'en doutais tellement. Que je l'ai quand même pris. Oh bordel. Ah, j'ai vraiment un bon coup de grâce, c'est pas cool. La fille détruit les statues dans un temple, dans un vieux temple d'une valeur inestimable. J'avoue, j'avoue. Bah écoute, Evan. Dur, oui, hein, c'est pas un jeu facile. Mais gratifiant. Et. Quand tu tryhardes, ça vient quoi, donc ça c'est cool. C'est plutôt cool. Et c'est pas de la chance ou quoi, quoi. Putain, j'ai peur des pièges à tous les coins de rue, là. Oh, putain! C'est quoi, lui? Petit coup d'arquebuse dans sa tête, non? Il a l'air assez lent. Au genou, peut-être. C'est bien, je lisais toutes mes mines. GG! Moi, je dis GG. En fait, il était mauvais, mais non. C'est différent, Evan. Evan. Excuse-moi, c'est mal le dire. Mais je dirais qu'il me mord de difficulté, moi, je sais pas. Vous en pensez quoi, ceux qui jouent au jeu? Par rapport à Dark Souls. C'est difficile de juger, parce qu'en fait, quand t'es arrivé sur les Souls, t'avais pas justement l'expérience des Souls. Enfin, si, les précédents, mais je veux dire, le premier, par exemple. Moi, le premier que j'ai fait, c'était le 2.
Parce qu'il était dispo sur PC, il me semble. Et donc, c'est le premier que j'ai fait. Eh ben, il était dur. Mais est-ce que si là, maintenant, j'arrivais sur Nioh sans avoir joué à un Souls... Tu vas dire, hein. Je sais pas le dire, un Souls. C'est ça, la statue s'est vengée. Tu vois, du coup, tu peux pas trop comparer. Parce que t'as une expérience que... Que tu n'avais pas auparavant. Ça a le coup, trois flèches pour ça, hein. Pas du tout. Oh, look at this! Ça a l'air amazing. Mais lui, du coup, il fait comment si je lui tire dessus? Il est dans la merde. Un peu. Quoi? Ah ah! Eh oui! Vas-y, viens me chercher. Est-ce qu'il peut... Ah, il peut venir me chercher. Nice. Vas-y, viens. Attendez, il y en a une autre, une statue qui va se manger, je pense. J'ai vu là l'autre à côté. Et t'as une échelle, mec, ou comment ça se passe? Attendez, j'essaie de suivre son... Ah! D'accord. Bah attaque par contre, parce que là c'est stressant. Ah bah voilà, super, GG. Bravo. Non mais GG Mori, on peut le dire. Mais pourquoi tu fais ça? Il a pas la même jauge d'endurance. T'es con, tu le fais exprès. Voilà. Ils sont pas durs mais exigeants. Il demande de l'investissement. Faut pas jouer comme un bourrin, quoi. C'est ça, voilà. Mais c'est, pour moi, ça revient même que de dire c'est un jeu dur, quand même. Ça reste un jeu dur. C'est pas un jeu... Putain, je pourrais passer un niveau. Ah bah là, on va pouvoir, cool. C'est pas un jeu que tu donnes à un gamin de... Quoique, hein. Il y en a qui t'étonnent des fois, mais... Un gamin de 12 piges, j'allais dire, mais... Qui sait. Bon, on va passer un niveau, du coup on va se retaper lui, mais bon, c'est pas grave, c'est cool, on a les 15 000 piles. C'est type up parfait. Multixi. Oh, attends. Oh, l'arnaque. J'aurais encore pu prendre cher, là. Il y a 3 coffres, je le sens pas. C'est bizarre, quand même. Non. Tu me diras, vu les cadeaux. Ouh! Amazing! Oh putain! Attends. Ça marche pas de faire ça? Ah! Génial! Putain! T'as vu le nombre de boss dans le jeu, les devs sont des malades. Ah bah j'ai l'impression qu'il a une longue durée de vie parce que... Je sais qu'il y a des gens qui sont à fond dessus depuis pas mal de temps et... Il semblerait qu'ils n'ont pas terminé. Là j'y suis allée... Oh putain, ce dédale! Ce fucking dédale. Vous avez vu le truc de l'emote? C'était stylé, hein? Quand même. Non? Si. Ah si! C'était stylé. Vous savez que j'ai plus de soins. You know this. On arrive à un truc, là. Attendez, déjà, on peut ouvrir cette porte. Non, on peut pas. Mais on est arrivé de l'autre côté, en vrai. On est de l'autre côté. Sachez-le. Et il y a un truc violet. Oh, c'est le truc qui ouvre les portes. Mais oui, ça y est. Bordel. Protégez les yeux. Protège tes yeux. Fais quelque chose. Et du coup, ça ouvre les portes. 32 boss. Wow. C'est cool. C'est vraiment cool. Ah, c'est marrant, c'est pour nous montrer que ça a ouvert.
C'était tendu là. Ils m'ont stressé. Faut pas me stresser comme ça. Hein. Bordel. Pff, quand même. Ok. T'as 20 000. Bon, en soi, c'est pas des milliards non plus. Mais... C'est pas comme si j'avais de quoi passer deux niveaux. Là, j'en ai qu'un. Hein. Avec 20 000. Donc là, on revient à l'entrée. Blablabla. Bla, bla. Ok, bah allons-y. Soit. Bon, bah commencez l'enregistrement, voilà. Faut que je reprenne l'extrait sur Twitch et tout. Ça sent la non-rediff du coup. Non, mais c'est très relou. Ou alors je reprends toute la rediff Twitch. D'une traite, je vous la remets comme ça. Voilà. Je rigole. Tout de même. Bon, l'heure est grave. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est son chéri en plus de base, je crois. Si j'ai bien suivi. Hey, what the hell are you doing? Funaka toyuga. Kusatte mo me o. Oula. Oula la. Mais il est tellement stylé. Oups. I found you. I found you. Tono! Tono! Well, well, well. I never expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. Il est tellement stylé. Vous savez comment c'est bien fait ces espèces de scarifications hein, qui font un dessin. Un ben, tatouage, mais ça fait plus scarification au niveau de l'épaisseur. Oh là là! J'ai l'impression qu'il va falloir le tuer. Non, sans blague! My god. Au secours. Au secours. Alors il y a... Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, pour briser sa garde, ça va être chaud lui. Oui. Un petit coup de vent. Oh, ça use tellement de mana ton truc mec, faut pas faire ça. Refais ton ouh. C'était bien le ouh. Vas-y. Oh, oh. Attends, faut qu'il fasse ouh. Oui, ça s'appelle Wu comme technique. Vous ne le saviez pas. Mais voilà, ça s'appelle comme ça. Dommage, dommage. Non. Ne pas faire de conneries juste par excès de confiance. Ce serait con. Putain, j'ai préféré lui que l'autre. Hein. Parce que lui, c'était un être vivant.
Enfin, un être humain, l'autre aussi. Un être humain, je veux dire. Il est moins badant, quoi. C'est vrai, Stiflash, tant mieux si ça te fait plaisir, Joanne. Montre qui c'est le papa. Ou la maman. Attendez, il y a peut-être une seconde forme. Ah non, c'est bon. Oh, il est trop choupi. Mais il y a Clochette dedans, j'avais oublié. À chaque fois, il chope une plume. C'est bien. C'est déjà ça. Oh. Merci bien. C'est embêtant par contre parce que c'est pas l'arme que, hein, que j'utilise. Mais merci du cadeau. C'est une tristesse. Chikashi. Tono to chikara o hawase, tami o mamoru. Ima wa sore dake de ureshiu gozaimasu. Oh là là, comment il est choupi. Par contre, rose, c'est obligé. RT6, c'est ça. Oh. Vraiment chou, celui-là. Autant le taureau, c'était pas top. Mais bon, pour l'instant, je reste sur le même. Je vais voir ça après. Enfin, faut jouer ce qu'ils font, ceci étant. S'il y a la même chose en mieux, pourquoi pas. On a débloqué plein de trucs, je crois. Alors, maître Anzo, je vous remercie infiniment pour votre aide. Il ne peut pas prêter main forte. Je préfère me donner à mort plutôt que de ne pas rembourser la dette que je dois au seigneur Hideyoshi. D'accord. Ah oui, maintenant, je m'appelle Anjin, au fait. Laissez-moi vous présenter à mon maître le meilleur stratège que vous rencontrerez jamais. Ah, il y a un truc au niveau du dojo. Cool.